As-tu vu ce qu'il s'est passé ces derniers jours en Russie ? Oui, j'ai vu avec le nouveau président, Vladimir Poutine. Non mais t'es con ou quoi ? C'est Vladimir Poutine, sérieux ? Oh mais c'est bon, monsieur, je sais tout ! Ah non, mais faut pas abuser aussi. Ah bah tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a une bouteille comme ça posée par terre ? Effectivement, c'est bizarre, elle doit appartenir à quelqu'un. Ramenons-la chez moi, il y a un papier à l'intérieur, quelque chose doit y être écrit. Bon allez, ouvre-moi ça vite là qu'on voit ce qu'il y a écrit. Oui bah 2 secondes, je vais chercher un couteau parce que là c'est impossible à décapsuler. Bon bah moi je vais essayer alors. Oh, bon bah c'était pas si dur hein, c'était qu'une question de force. Hein, t'as réussi? Mais comment tu fais? Ah bah, juste à la force des bras hein. Bon, je vois que tu m'as attendu, regardons ensemble ce qu'il y a d'écrit dedans. Faites attention, quelqu'un est derrière vous. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Il y a quoi derrière? Attends, regarde. Ah, mais c'est quoi ça? Attends que je prenne le couteau et que je le tue, il a rien à faire chez moi. Non, allons prendre un téléphone pour y prendre une photo et pour y avoir la preuve. Ouais, allons-y. Il est où? Il a disparu? Il est parti où? Oui, je sais, le concept de cette vidéo aujourd'hui est totalement incroyable. Enfin, après les gars, quand je dis un film, ça va plutôt être un court-métrage. Voilà, on va pas faire un truc d'une heure et demie, quoi. Un petit court-métrage, comme ça c'est carré, parce que je rappelle que j'ai que 24 heures. Parce que ma journée va se dérouler en 3 étapes. Le départ, ça va être de créer le scénario, après le tournage, puis ce soir ou fin d'après-midi, le montage, jusqu'à du coup demain. Je vous conseille de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que sincèrement, je pense que c'est l'une de mes meilleures vidéos de ma chaîne. Et pourquoi la regarder en entière? Parce qu'il y aura toutes les explications pour savoir comment on l'a fait, etc. Le tournage, le montage et tout. Donc je vous conseille bien de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et bien du coup, on va direct partir pour créer le scénario sur l'ordinateur. Donc c'est parti, let's go. Du coup, on est parti pour la création du scénario. Et étant donné que j'ai jamais fait de film, voilà, qui fait des films à mon âge, et bien je vais créer mon scénario sur l'application Bloc-Notes. Parce que voilà, j'ai aucune idée, les réalisateurs ils font ça sur quoi, s'il y a des sites exprès, des applications exprès ou pas. Mais moi je vais faire ça sur Bloc-Notes, comme ça c'est nickel. Et on part direct pour commencer, let's go. Déjà commençons par habiller notre Bloc-Notes. Du coup j'ai fini d'écrire tout ce qui est genre, lieu, personnage, etc. Maintenant j'aurais juste à remplir. Et comme ça, ça va m'aider. Du coup, c'est parti. Maintenant, je vais essayer de me créer le scénario dans ma tête. Et après, on va l'écrire. Et puis, let's go, les gars. Ok, donc du coup, je viens enfin de trouver une petite idée. J'ai une petite idée dans ma tête. Alors, comme lieu, ça va être dans une forêt. Ça peut être.
un sous-sol, parce que moi les gars j'ai un sous-sol et je pense que y a moyen de faire un truc à l'intérieur, un lieu abandonné, entre parenthèses, parce que voilà, je suis pas sûr du tout, ça va être en plus. Comme personnage sinon, il y aura une personne abandonnée, donc elle vivra dans la cave, et un ado, et puis l'élément déclencheur ça va être la rencontre entre les deux, et puis du coup les objets, la personne abandonnée elle aura une radio, un couteau, et après niveau objet j'ai pas encore avancé encore plus, mais voilà, on a une petite idée, donc c'est parti, maintenant je vais créer le scénario, et évidemment ça va être un accéléré et tout pour que bah ce soit pas trop long, sinon ça va être clairement chiant, donc c'est parti, let's go. Aller faire le tournage, j'avais juste envie de vous montrer quand même qu'est-ce que je vais amener pour parce que là les gars on va tourner la partie de la forêt, donc qu'est-ce que je vais amener pour aller tourner à la forêt. Du coup je vais amener la petite tenue du mec le plus saint-élo, on n'a pas encore trouvé son prénom mais du coup vous l'avez, ici la tenue de Sofiane, donc survêt Nike, voilà, survêt Nike avec sacoche Nike, casquette à l'envers et lunettes, je sais pas si on va les mettre mais voilà au cas où. Sinon ici on a la petite bouteille qu'ils vont trouver dans la forêt avec le petit papier, faites attention, quelqu'un est derrière vous, et du coup il ira dans la bouteille et c'est carré. Sinon j'ai aussi imprimé les feuilles de scénario pour que comme ça bah, tout soit bon et qu'on puisse être bon là-bas. Et puis bah c'est nickel, là il est seulement 12h30 donc on est complètement carré. Ce que je vous dis c'est qu'on parte à la forêt, c'est parti. Ça. Tu as vu ce qui s'est passé ces derniers jours aussi? Oui, j'ai vu avec le nouveau président Vladimir Poutine. Non mais t'es con ou quoi? C'est Vladimir Poutine, sérieux. Bon, mais c'est bon, monsieur, je sais tout. Non mais faut pas abuser là aussi. Ok, je pense qu'elle peut être bon. On l'a one shot? Oui. Ok, faut qu'on prenne la bouteille. Faut qu'on aille à la bouteille maintenant. Bon les potes, là on a mis la bouteille, elle est juste ici, elle est dans un buisson de toute manière comme vous avez vu dans le court métrage, dans le buisson. Et du coup maintenant, on va faire quand, bah, quand il trouve la bouteille. Et puis bah voilà. Et puis toi pendant ce temps là tu vas tourner comme ça, et là il y aura un trou sur la bouteille. Non regarde, tu vas faire comme ça. Ah, ah bah tiens c'est bizarre, pourquoi il y a une bouteille comme ça posée par terre? Bon, là il est à peu près 22h15, on a terminé de faire toutes les scènes bah, du court-métrage que vous avez vu en début de vidéo. Bon, évidemment, on n'y est pas depuis 13h30 les gars à faire les scènes, hein. on a fait des pauses. Du coup là maintenant je vais passer au montage, et donc du coup ça va être la troisième et dernière étape de toute cette vidéo et de tout ce court-métrage. Donc du coup moi ce que je vous dis c'est à demain matin pour quand j'aurai terminé de faire le montage etc. Et demain matin on fera le point sur tout. Bah notre petit film etc. Donc ce que je vous dis c'est à demain matin. Bref, ciao. Bon, nous sommes le lendemain matin. Du coup j'ai terminé le montage hier soir vers 1h, 1h30. Donc en vrai tu vois ça va, le montage il m'a pas pris ultra beaucoup de temps. Il a dû juste me prendre genre 2h, 2h30. Donc en vrai tu vois ça va, c'était plutôt rapide. Donc du coup ce que je vais conclure sur cette vidéo et donc sur ce 24h, eh bien j'ai kiffé faire le petit court métrage, le montage etc. Mais après avec le montage je me suis rendu compte que je pense que j'ai pas ultra bien joué les personnages. Genre on voyait que c'était moi qui jouais, et puis genre je jouais pas le rôle du personnage un petit peu.
peu. Donc voilà, ça c'est mon seul regret que j'ai eu à voir au montage. Sinon bah le film en vrai je le trouve plutôt propre. Les gars, sachez que j'ai aucune expérience dans tout ce qui est film, dans tout ce qui est court métrage, etc. J'en ai jamais fait. Donc du coup soyez bien indulgents avec moi, parce que voilà, ça sert à rien que vous dites qu'il est nul alors que bah voilà, vous en avez jamais fait, etc. Du coup nous sommes arrivés à la fin de 24h et donc à la fin de cette vidéo. Ceux qui sont arrivés jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre en commentaire le mot juste film, comme ça les autres ils vont bégayer, ils vont pas comprendre pourquoi. Vous mettez juste film. Et puis du coup voilà pour moi, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Si je vois que la vidéo vous plaît, pourquoi pas faire un épisode 2 plus tard. Et à vous abonner, nous sommes tout proche des 900 abonnés, ça fait grave plaisir. Il reste un petit peu plus de 100 abonnés avant les 1000, c'est l'objectif. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait grave plaisir et en plus c'est gratuit. Et donc du coup, ce que je vous dis, c'est une prochaine vidéo ou un prochain live. Bref, ciao les potes.